y en a un qui joue pas. Quoi? Il va être exclu. Hein. Pourquoi tu fais des alt-tab aussi? T'es trop con. Il est expiré de toute façon. Ah, dommage. Grosse merde à vouloir me montrer de la merde, toi. Frère, mon PC. Alt-tab pas, ton PC il pue la merde, frère. Là, je voulais te montrer le test, mon frère. On s'en bat les couilles de sa chaîne YouTube, elle se trouve du cul. Oh, il est chez Apex. Un vrai machine de guerre. Oh, il a fait toutes les nukes sur tous les Call of en 24 heures. Je viens de lui niquer sa game là. Je viens de niquer sa game à ce mec. Ah, désolé là, il a planté mais. Ouais, ça arrive, ça arrive. Oh, regarde cette vidéo, il se passe bien. Attends, mais toi, je peux regarder une vidéo et jouer en même temps. Ok, ça va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2. On se retrouve 10 jours après avoir fait la vidéo concernant la saison 2 de Modern Warfare 2 et tout ce qui est sorti sur le jeu, autant dans les points extrêmement positifs que les points extrêmement négatifs. Et en soi, il y a pas mal de choses à dire lors de cette saison 2, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'après on dit, oui, t'as oublié de parler de tel sujet, etc. Lorsque c'est faux, je parle quasiment de tous les sujets possibles et abordables. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas le cas. On est bientôt aux 200 000 abonnés, on s'en rapproche chaque jour et j'ai vraiment hâte d'atteindre les 200 000 abonnés. Et d'activer la petite cloche de notification, de liker la vidéo, c'est super important les bros, vraiment c'est super important. Ça m'aide au niveau du référencement, ça m'aide également au niveau du soutien. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que toi tu penses de la saison 2 de Modern Warfare 2. Je lis tous les commentaires quoi qu'il arrive. Et avant d'attaquer le sujet de la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Attends, comment ça, tu connais pas? Mais tu vis dans une grotte, c'est pas possible. Faire un petit débrief. Red Shadow Legend est un jeu free to play. Avec du contenu infini et des mises à jour mensuelles. Des centaines de champions à votre disposition. Pas étonnant que ça termine avec plus de 80 millions de téléchargements sur mobile. Et qui est disponible sur iOS ou Android. Et également sur PC. Possédant des graphismes de qualité console PC mais sur votre téléphone. Et pour ceux qui débutent, vous avez 4 champions à votre disposition. Elaine si t'es un gros bourrin. Atel si tu es plutôt un stratège. Et très utile lors des arènes PVP. Kalex si tu veux de la vitesse. Ou sinon tu choisis comme moi Kael. Qui détruit tout sur son passage d'ailleurs. Et comme je vous ai dit, on n'a pas le temps de s'ennuyer sur Red Shadow. La saison 7 du Forge Pass vient d'arriver, avec plein de nouveaux items à votre disposition. Mais attends, ils font pas les choses à moitié maintenant. Ils ont carrément implanté un champion de MMA et de catch professionnel dans le jeu, Ronda Rousey. Et tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous connecter pendant une période de temps. Comment avoir un champion gratuitement? Et en plus de ça, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez avoir des récompenses supplémentaires, telles qu'un champion du vide qui est très fort en PVP, disponible que durant une période de temps. Entre les différents événements PVE, autant que ça soit les donjons, les raids ou la quête principale, les différents événements PVP, autant que ça soit l'arène, le ranked ou tout simplement chercher le top mondial, tout en faisant en sorte d'améliorer au maximum que possible son équipement, Red Shadow Legend propose énormément de contenu divertissant. Et étant moi-même un fan de fantasy, le jeu correspond parfaitement à l'attente concernant l'univers d'un jeu vidéo. Et franchement, ça c'est top, j'apprécie beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que tu attends toi? Désormais, c'est aussi ton heure. Rejoins cette aventure sur Red Shadow Legend. Télécharge le jeu soit dans le lien dans la description, soit via le QR code disponible dans la vidéo. Ah ouais, t'as vu, on est carrément dans la pointe de la technologie ici. Et ceux qui ont jamais joué à Red Shadow Legend et qui téléchargent le jeu via mon lien auront le droit à un champion épique gratuit avec plein d'autres items qui vont vous aider lors de votre aventure. Le lien est dans la description et le QR code est sur la vidéo et je remercie Red Shadow Legend de soutenir cette chaîne YouTube. Retournons à nos moutons. Parlons de la saison 2 de Modern Warfare 2. Je commencerai d'abord par les points positifs, comme ça on arrêtera de dire ouais t'es aigri, tu détestes le jeu, etc. lorsqu'il y a vraiment des choses extrêmement positives. Parlons déjà de la première chose positive, il semblerait que cette saison 2, contrairement à la saison 1, va durer 2 mois. Ça c'est plutôt assez positif parce qu'on va pas devoir chaque fois attendre pour avoir du nouveau contenu. Et il y a même carrément des leaks qui sont sortis concernant toutes les saisons et tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Je vous montrerai l'image et en plus de ça, je vous mettrai dans la description pour ceux qui veulent absolument tout savoir de ce qui va arriver prochainement sur Modern Warfare 2. Je vais faire vite un petit débrief concernant Warzone. C'est juste parfait la mise à jour, il n'y a rien à redire. Peut-être une chose, juste la map Résurgence qui mériterait un peu plus de couleurs, c'est un peu dommage, mais sinon en soi, c'est juste parfait. En soi, c'était prévisible quand on voyait le patch note concernant la saison 2 de Modern Warfare 2 concernant justement Warzone, c'était à peu près logique que tout se passe bien. Autre point positif, ils ont changé le menu au niveau des armes avec des camouflages. Ça rend le menu beaucoup plus visible et ça c'est tant mieux, très clairement. Maintenant je trouve ça complètement con qu'on a dû attendre 4 mois pour avoir ça. Je trouve que ça aurait dû être fait dès le début du jeu, donc c'est pour ça que je m'extasie pas. De nouvelles armes sont sorties, dont une, on va en parler un peu plus tard parce que c'est extrêmement négatif, mais une qui est extrêmement positive étant la ISO
Elle est trop cheatée, on est bien d'accord. On est tous d'accord, elle est trop cheatée, mais t'as de bonnes sensations avec. Elle me fait beaucoup penser à l'ICR de Call of Duty Black Ops 4. Et ça, c'est un gros plus. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup l'arme. J'espère qu'ils vont quand même nerf les dégâts, parce que sinon, ça va vite devenir impossible à jouer sur le multiplayer de Call of Duty. Et là, on va attaquer sur un extrême point positif. Vous me connaissez à force, je suis le premier à critiquer. Quand il faut critiquer, je serai là. Par contre, quand il faut mettre quelque chose en avant, je serai également là pour mettre quelque chose d'extrêmement positif. La ligue de Modern Warfare 2 est juste incroyable. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas eu autant de bonnes sensations en rejouant sur de la ligue. Bon, un peu normal quand c'est fait par Treyarch, hein. Ah, c'est sûr que c'est pas Kingfinity War qui va nous pondre une masterclass pareille. Ce qui est génial déjà, c'est que les classes sont déjà préfaites, donc ça c'est plutôt cool. Les grades sont archi stylés quand même. Les sortes de prestiges de grades quand tu fais un certain nombre de victoires sont aussi ultra stylés. En plus de ça, tu gagnes quand même pas mal de récompenses, donc ça c'est très cool. Tu gagnes un camouflage à partir de 25 victoires. Bon, c'est pas le plus beau des camouflages, on est d'accord. Mais en soi, il est plutôt quand même assez sympathique. En plus de ça, ils ont modifié quelques petits trucs qui étaient positifs. En plus de ça, c'est que normalement dans la ligue, quand tu te retrouves en 4v4 et supposons que quelqu'un bug ou quelqu'un a décidé de rage quit, tu te retrouves en 4v3. À ce moment-là, si tu perds et tu te retrouves dans l'équipe où il n'y avait que 3 personnes, cela ne va pas compter comme une défaite. Et c'est ça qu'on attendait de Treyarch, pouvoir reprendre un ancien système de ligue, que ça soit BO2, d'autres Call of Duty, et l'améliorer, reprendre les bases des anciens Call of Duty en proposant une évolution. C'est ce qu'on attend des studios de développement, et ça c'est un énorme point. Franchement, Treyarch, magnifique, rien à redire concernant votre ligue. Sachant que je n'attendais strictement rien du jeu, vous avez réussi à me redonner envie de jouer à Modern Warfare 2 seulement pour la ligue. Alors pour le moment, je suis seulement platine parce que j'ai repris le jeu il y a à peine 2 jours de cela et en attendant, j'avais fait une énorme pause de 1 mois et demi. La dernière fois que j'avais joué à Modern Warfare 2, c'était concernant les nucléaires sur tous les Call of Duty en moins de 24 heures. Donc je te cache pas que la reprise a été très difficile, sachant qu'entre deux, je jouais qu'à Call of Duty Black Ops 3 ou Call of Duty Black Ops 4. Donc on est totalement à l'opposé du style Modern Warfare 2. Cependant, il y a 4 points négatifs à en tirer pour le moment et je dis vraiment pour le moment parce que ça peut évoluer évidemment. Premier point étant la ISO qui est vraiment beaucoup trop fort comme je vous l'ai dit et que beaucoup de gens utilisent et je comprends pas pourquoi on peut utiliser une arme DLC en mode League en fait, ça me paraît un peu bizarre quand même. Mais bon, je pense que l'arme va très vite être patchée mais pendant ce temps-là, bah, on doit quand même jouer contre des ISO et c'est assez problématique. Autre point négatif, ils ont décidé de reprendre le même skill base matchmaking qu'il y avait sur le multiplayer. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas dérangeant pour la ranked. Eh ben si, parce que quand tu reprends le même principe de l'équilibrage d'équipe, supposons que tu réalises 3 ou 4 très bonnes games et que t'es en train de carry ton équipe, eh ben, lors de la 4ème, 5ème game, bah, il y a le fameux équilibrage d'équipe en solo qui va se mettre en place et tu vas jouer avec des personnes qui ne savent pas très bien jouer au jeu. Donc, au lieu de te retrouver avec une équipe assez compétitive, supposons que tu es platine, tu as affronter que des platines en face de toi et normalement tu es censé avoir des platines avec toi ou tout simplement un poil au-dessus avec le diamant pour pouvoir upgrade, bah là finalement tu peux te retrouver à n'importe quel moment avec 3 or, 3 argent qui ont beaucoup de peine à jouer à la licence. D'où le fait que beaucoup de gens décident de jouer en groupe de 4, en jouant en équipe, pour essayer d'upgrader beaucoup plus facilement les grades. Comme ça, ils pourront atteindre leur objectif beaucoup plus facilement. D'où le fait que, justement, toutes les personnes qui sont arrivées top 250 l'ont fait en équipe, parce que c'est 3 fois plus simple et que l'équilibrage en solo est juste catastrophique. Encore un dernier point, malheureusement très négatif, c'est que plus tu as avancé dans les grades, là, comme je vous ai dit, je suis arrivé platine, je commence à arriver à affronter des diamants, et quand tu affrontes des diamants, je tombe sur des mecs qui arrêtent pas de cheater. C'est juste insupportable. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible que des personnes totalement légites sur Warzone 2 n'arrêtent pas de se faire shadowban, mais que des mecs qui cheatent impudemment sur la ligue de Modern Warfare 2 multiplayer ne soient pas bannis du jeu définitivement. Le système de ricochet, il n'a aucune logique. Aucune. Et dernier point, mais ça c'est me concernant évidemment parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Bah ceux qui suivent régulièrement les lives, les vidéos, etc. Vous savez que je suis sur PlayStation 4 malheureusement. Oui, je suis encore avec mon avion de chasse là. Il est encore en train d'être rentabilisé à l'heure actuelle. Et si il faut, elle mourra sur le front en mourant sur Call of Duty. Non, plus sérieusement, je suis sur PlayStation 4 et forcément j'ai du délai lors des fights. Vu que je suis bridé entre 60 et 40 FPS et que j'affronte des joueurs PC ou des joueurs PlayStation 5, c'est juste horrible. En fait, pour ceux qui ne comprennent
comprenne pas le problème, je me retrouve carrément avec des demi-secondes ou des secondes entières de retard par rapport à quelqu'un qui va jouer sur PC avec potentiellement 200 à 250 FPS. En gros, c'est comme si je te disais que tu jouais constamment à 150, 180 de ping vs quelqu'un qui en joue avec 10. Alors c'est problématique, on me demande pourquoi tu prends pas la PlayStation 5. Bah, étant donné que je fais pas énormément de vidéos sur Modern Warfare 2, que généralement je vais faire plus de vidéos sur les anciens Call of Duty, et ben je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter une PlayStation 5 juste pour Modern Warfare 2. Même si je sais que prochainement c'est fini la PlayStation 4, je serai obligé de passer sur PlayStation 5, j'attends le bon moment pour savoir si je vais me prendre un PC ou une PlayStation 5. Surtout que le problème des anciens Call of Duty sur PlayStation 5, c'est qu'il y a de l'input lag à la manette. Quand tu vas jouer à BO3, t'as un délai de retard en fait. Donc c'est un peu dommage, je ne peux pas profiter de l'expérience League à 100% avec un giga grand plaisir, mais je m'amuse quand même. Là, je vais quand même essayer d'aller chercher le diamant et le écarlate sur PlayStation 4. Ça serait un miracle, je vous le dis tout de suite, c'est un putain de miracle si je réussis. Mais honnêtement, c'est un 10 sur 10, très clairement, Treyarch a fait un sacré boulot concernant la ligue de Modern Warfare 2 et il faut le mettre en avant. Et j'ai hâte de voir les prochaines récompenses que Treyarch va proposer via le jeu. Attendez juste une seconde, vous avez reçu un virement d'Activision, 1000 euros. Voilà, c'est bon, on a dit toutes les choses positives, maintenant on va pouvoir commencer un peu à trash talk le jeu. Bon, déjà, je veux le nom du mec qui a décidé de refaire le remake de Dome sur Modern Warfare 2. Le remake le plus catastrophique de la map la plus légendaire de Modern Warfare 3. Le plus gros saccage de l'humanité que j'ai pu voir de toute ma vie. Qu'on pende ce type en place publique. À un moment donné, va falloir comprendre une chose Infinity Ward. Va falloir reprendre les concepts de Treyarch, comme a fait Treyarch sur Call of Duty Black Ops Cold War, et en reprenant les maps de Call of Duty Black Ops 2 ou de Call of Duty Black Ops 1 intactes. Ne pas modifier certains éléments. Juste rajouter quelques couleurs, tu reprends la map originale et c'est fini. Tu ne touches pas la map. Elle est très bien comme elle était la map. Mais non, il a fallu qu'il modifie plein de choses sur la map qui ne donnent plus aucun sens. Ils l'ont repris d'ailleurs de Warzone, comment c'était implémenté dans la map Warzone, et ils l'ont mis sur le multiplayer. Mais c'est très clairement du foutage de gueule. Les mecs se sont déjà pas cassés les couilles à nous sortir une véritable map, mais la remake en plus, c'est pas une véritable map. Ils ont juste repris de Warzone. Mais ça n'a aucun sens. Encore celle de Vanguard de Dome. Bon, d'accord, elle a quelques petits problèmes, mais elle est dans le style Vanguard, avec les trucs qui se cassent, etc. En style Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est plutôt assez logique par rapport au thème de Vanguard. Et en plus de ça, celle de Vanguard, elle garde des choses clés de l'ancien Modern Warfare 3. Là, clairement, ils ont tout massacré. Voilà, ils ont complètement tout massacré. D'ailleurs, point positif, j'ai encore oublié d'en parler d'un de point positif, c'est maintenant que j'y pense en parlant de map. En plein milieu de la saison 2, il y a une nouvelle map. Alors, quand je parle de nouvelle map, je parle vraiment d'une nouvelle map qui va sortir, une map enneigée. Vous savez, les fameuses saisons Reloaded, en plein milieu des saisons, on a toujours un peu plus de contenu qu'on est censé avoir. Alors, tant mieux parce que une map, quand même, ça fait du bien. Maintenant, attendre 5 mois pour avoir une map enneigée, ça fait léger quand même, hein. Ça fait très très léger. Parlons justement de la deuxième arme, qui est un fusil à pompe. Alors, je n'ai jamais vu un fusil à pompe aussi cheaté de toute ma vie. Je vous balancerai un extrait, mais c'est du grand foutage de gueule. Du très gros foutage de gueule. Le truc, il a une portée de 150 mètres et il peut te toucher. C'est très clairement n'importe quoi ce truc. C'est du foutage de gueule. Le nouveau mode infecté est sorti, donc je me suis dit, bon, allez, j'ai testé directement le mode infecté, j'ai quand même envie d'essayer, etc. Oh mon dieu, c'est pas possible. Sérieusement, c'est pas possible. Donc, quand tu réalises des kills en mode infecté, tu es censé recevoir des atouts supplémentaires jusqu'à que tu reçois tous les atouts disponibles dans le jeu. Ça s'appelle l'atout spécialiste en mode Modern Warfare 3 que vous devez connaître, qui est sorti également sur Modern Warfare 2019. Eh ben, ça n'existe plus dans ce mode de jeu sur Modern Warfare 2. Ça n'existe plus. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont carrément enlevé. Ils ont pas compris le principe du mode, j'ai l'impression. Ils ont tellement pas compris le principe du mode, qui est censé être fun, être drôle, s'amuser avec ses potes, etc. Ils ont mis le même skill base matchmaking qu'en multiplayer et en ranked. Le but du mode, c'est du fun, c'est d'éclater tout le monde, essayer de faire des grosses sessions de kills. Alors pourquoi mettre un putain de skill base matchmaking dans un mode qui n'est pas destiné à ça? Qui est le débile chez Activision qui s'est dit que c'était normal de mettre du skill base matchmaking dans un mode de jeu qui n'est pas fait pour ça? Sérieusement quoi, c'est du troll? C'est du troll, vous cherchez vraiment à défoncer votre multiplayer. Vous ne comprenez toujours pas la logique derrière tout ça. Sérieusement, autant pour la ranked, j'ai pris énormément de plaisir à jouer, à grinder, etc. Mais je ne comprends toujours pas l'intérêt qu'il y a derrière ce multiplayer. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Mais attends, ils ont sorti la ranked, donc forcément, le skill base matchmaking doit être enlevé sur le multiplayer. » Mais ils ne le feront jamais, ça. Ils ne le feront jamais. Ils ne veulent pas faire ça. Surtout Infinity Ward, ils veulent clairement pas faire ça. Et mon Dieu, que ce multiplayer est vide de contenu. C'est une coquille vide. Il n'y a strictement à rien faire sur ce multiplayer, hormis la ranked ou éventuellement Warzone. J'ai fait deux games multiplayer, j'ai fait « Ok ».
Bah voilà, c'est terminé, j'ai plus besoin de rien faire. Vu que visiblement, il n'y a rien à faire sur ce multiplayer. Et je suis limite sérieux, ça en devient triste. Ça en devient triste, limite que tu ne peux pas prendre du plaisir, ne serait-ce que sur du multiplayer. Et surtout qu'ils continuent à sortir les modes de jeu un par un, lorsqu'on voudrait les modes de jeu tout de suite, et sortir de nouveaux modes au fur et à mesure que la saison arrive. Enfin bref, hormis pour la ranked avec la nouvelle arme ISO, le reste de la saison est vide, sans aucun intérêt, et t'as même pas de plaisir à jouer à ce jeu. T'en as aucun. Autant ils ont été assez intelligents de modifier les mouvements sur Warzone 2 en les rendant plus rapides, autant sur le multiplayer, quoi qu'il arrive, ça restera lent. Et c'est normal d'un côté, hein. C'est un peu normal évidemment. Mais cela reste ennuyeux et sans aucun intérêt. Il est possible qu'avec le ranked, ça risque d'être beaucoup plus intéressant de jouer juste sur Modern Warfare 2, mais pour le reste, c'est fini. C'est totalement fini, c'est honteux comme saison. Et on n'a pas d'autre espoir que le jeu puisse revivre. C'est terminé, point barre. Le multiplayer, maintenant, c'est au fond du trou. Il n'y a plus quasiment personne qui y rejoue, quoi. Ben voilà, on aura donc terminé cette vidéo concernant la saison 2 de Modern Warfare 2. N'hésitez pas à me dire, est-ce que peut-être que toi, tu apprécies finalement la saison 2 de Modern Warfare 2. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses intéressantes pour s'y intéresser complètement au jeu. Mais j'ai bon espoir concernant la ranked de ce Modern 2 qui a l'air fort sympathique. Moi, je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas le cas, de lâcher un gros pouce bleu, de partager la vidéo également, et je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like, et ensuite, tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.